les scorpions, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ce tirage pour le mois d'août avec une nouvelle lune en Lion le 28 juillet. Alors, si vous arrivez sur cette vidéo et que vous êtes après le 28 juillet, n'ayez crainte, la nouvelle lune en Lion donne le ton du mois et donc pour ce mois d'août, vous êtes dans un mois léonien et vous êtes dans une énergie de feu. Alors, comment le feu a envie de se manifester dans votre vie en ce moment? Qu'est-ce que vous avez à purifier ou à révéler dans le monde? On va commencer par la carte ici du domaine concerné. Alors, pour vous, Scorpion, le soulagement. Regardez-moi cette belle carte. Soulagement. Auriez-vous porté une croix? Auriez-vous porté des responsabilités et attendu des résultats, espéré certaines choses de voir s'accomplir? Et sentiriez-vous en ce moment le vent du soulagement vous permettant de vous poser enfin? Nous allons garder cette carte ici. Et avant de regarder celle qui s'en vient là, que l'on verra après, on va faire le tirage pour vous, mes amis scorpions. Scorpion en ascendant, signe solaire ou lunaire. Si vous êtes intéressé par les cartes que j'utilise, allez voir donc la vidéo d'introduction où j'explique tout. Allons-y. Les amants. As d'épée. Le cavalier de pentacle de denier hein, dans le tarot classique. Le 4 d'épée, le repos. Et le 5 de bâton. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'ai dû me débrouiller avec un autre support pour la caméra. Le mien m'a lâché tout à l'heure. Donc, je me débrouille, mais je pense qu'on se débrouille plutôt bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Que nous dit ce tirage? Alors nous avons ici cette partie haute et puis en bas. Ici c'est la partie donc de ce qui est présent à vous, ce qui s'amène dans ce tirage. Il y a une notion de couple, les amants, les amoureux, le 6, ce sont les amoureux, mais ce n'est pas que le couple. Cette carte peut nous parler de choix, un choix crucial, un choix fondamental. Et on voit bien ici dans votre intention, votre situation présente sur laquelle vous avez toute votre attention, c'est la décision. Vous avez tranché, vous avez pris ou allez prendre une décision très importante. C'est d'autant plus important que vous avez ici la carte qui est une arcane majeure et qui, les majeurs évoquent souvent des grands mouvements de vie. Hein, c'est pas rien, c'est pas des petites choses anecdotiques, c'est des choses importantes et... là, il y a un choix important pour votre vie, alors professionnelle, personnelle, familiale. C'est à vous de voir où se situe cette énergie-là, où ça se passe. En tout cas, le soulagement n'est pas là par hasard. Cette prise de décision que vous faites, c'est une prise de décision réfléchie. Ce n'est pas un coup de tête. C'est réfléchi, c'est tranché. Parce que vous avez, dans le passé, pesé le pour et le contre, ou alors fait face à une situation qui vous a demandé, amis scorpions, d'y aller. Hein, d'y aller. Et vous n'avez pas peur de la transformation. Vous êtes plutôt même assez à l'aise dès qu'il y a quelque chose de changeant, de mouvant et voire disruptif. Le chaos ne vous fait pas peur. Là, en l'occurrence, parce qu'il y avait choix, vous avez su trancher. C'est un peu votre nature, je dirais. Pour voir un petit peu comment ça se passe avec vos ascendants et votre histoire, mais quelque part dans votre fort intérieur, je pense que vous sentez que vous êtes capable d'y aller, et une fois que c'est la décision est prise, vous y allez. Et c'est ce que ça dit ici, la recommandation qui vous est faite, c'est cette décision est une décision fiable. Vous allez pouvoir l'assumer, la porter, la vivre, aller loin avec. Le cavalier de denier, il va s'installer, il va aller en quête du territoire dans lequel il s'investit. Prenons l'exemple, si c'est une décision de mariage ou une décision de divorce, vous savez où vous allez mettre les pieds, tout est clair, vous allez y aller d'un pas assuré.
mariage ou divorce, peu importe. Vous voyez que ce n'est pas le sens dans lequel ça va qui importe ici, c'est que c'est là où vous allez parce que la décision est prise et dans ce sens-là de votre décision, votre conseil, hein, ce qui vous est conseillé ici, c'est vraiment d'y aller. Ne faites pas semblant, faites pas les choses à moitié. Et faites-vous confiance parce que c'est dans cette fiabilité, cette constance et je dirais chaque pas que vous faites, chaque décision, alors les décisions sont prises, mais chaque action que vous allez mener va porter des fruits. Hein. C'est le but, c'est que vous avancez confiant, confiante dans ce nouveau chemin. Que ce soit pro, perso, c'est vous qui sentez où ça parle le mieux. Hein. En revanche, sur les choses plus terre à terre, hein, j'ai envie de dire, plus pragmatiques, il y a un aspect qui vous invite au repos. C'est la première chose qui me vient ici. 4 d'épée, c'est le besoin de repos. Et je pense qu'il y a une autre dimension chez vous qui est en parallèle de vos choix de vie. C'est votre santé. C'est ça que je ressens moi ici. C'est votre santé. Alors je vais garder mon intuition, je vais écouter ce qui vient. Votre santé, ben, vous avez des petits soucis, peut-être de fatigue, vous n'avez plus l'énergie que vous aviez avant, vous avez des... C'est pas des douleurs, hein, c'est quelque chose de plus atténué, plus en parallèle avec le quotidien qui ne vous empêche pas d'avancer, mais qui vous inviterait à prendre soin de vous. Alors, psychiquement, physiquement, intellectuellement, à voir, mais de vous ménager. Et alors, dans cette énergie de alors, c'est une énergie pas du besogneux, mais de celui qui assume, qui avance, qui fait, il y a aussi à trouver cet équilibre de prendre soin de vous aussi par rapport à vos engagements. Et moi, ce qui me vient, la recommandation de cette carte, c'est le challenge, le défi. Par rapport à cette carte-ci, c'est de prendre les choses à bras-le-corps. J'ai presque envie de dire par rapport à votre situation, peut-être au niveau de la santé, c'est d'aller faire des examens. C'est de suivre les examens et les recommandations, par exemple, d'un médecin. De suivre les recommandations de repos, que ce soit par rapport à une fatigue intellectuelle, une fatigue ou une dispersion qui vous a fatigué. Un projet, ce projet peut-être que vous avez mené, vous a amené à voilà, un petit état de surmenage. Parce que n'oubliez pas, hein, la carte dynamique, c'est le soulagement. Soulagement. Trouvez le soulagement. Et donc, vous êtes vraiment invité. Et donc, c'est d'écouter les recommandations. Allez, prenez la situation à bras-le-corps, prenez-le au sérieux. Ben, battez-vous pour protéger cet espace-là. Posez vos limites aussi. Ça nous parle de ça. Posez vos limites, soyez clair avec cette combinaison entre ce que vous avez à assumer, à porter, à vivre dans vos choix, vos décisions, tout ce que vous avez à faire. Mais faites les choses avec pragmatisme. Par exemple, le danger, ce serait de dire, je m'y mets, je fonce, et j'arrive à un bout d'un moment, je suis épuisée. Et vous lâchez, et vous donnez une impression de lâcher prise, de vous en foutre. Vous voyez, c'est le scorpion a tendance un petit peu à être dans ces mouvements-là. Là, c'est garder la constance, parce que cette carte, c'est ce qu'elle vous recommande. Garder de la constance, du sérieux, de la fiabilité. Hein, restez fiable dans vos engagements, mais veillez à prendre vos limites pour que dans cette continuité, vous trouviez l'espace aussi de repos et de bien-être qui est important pour vous. Hein. Voilà, c'est cet équilibre qui vous est demandé. Et là, vous arriverez à trouver cet espace de soulagement. C'est l'invitation pour ce mois d'août. Trouver la paix, cette sérénité, ce repos. Hein. On est soulagé, ça y est, tout va bien. Mais je fais aussi ce qu'il faut. Hein. Allez-y, occupez-vous-en. Faites ce qu'il faut pour que tout aille bien pour vous, vous, les vôtres, vos projets. Bah écoutez, c'est pas mal déjà, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais regarder le message de l'Égypte ancienne qui nous dit quel est le soin.
apporter à tout ça. Un soin pour vous, un soin d'attention ou un soin de santé. Le désert, la vie cachée. Dans chaque désert existe une vie discrète, pleine de surprises et de force. Il en est de même en toi, quoi que tu traverses ou que tu aies vécu. C'est intéressant. Peut-être avez-vous l'impression parfois de manquer de la force nécessaire pour mener à bien vos projets, vos engagements, d'aller loin. Peut-être aussi d'aller loin dans vos ambitions. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas cette dynamique en vous. Cette carte dit que là où tout semble désertique, là où tout semble sec, il y a de la vie, il y a de la force, il y a de la lumière. Hein, et il en est de même en toi. Quoi que tu traverses ou que tu aies vécu, la vie discrète, pleine de surprises et de force, s'y cache. Vous êtes, il y a en vous une force qui est présente, que vous ne connaissez pas. Il y a des espaces en vous, moi je dis, qui vous surprendraient. C'est pas forcément dans de la résistance, tenir le coup, avancer, coûte que coûte. Non, non, c'est une force qui correspond davantage à ça, c'est celle de poser ses limites, se respecter, faire des choix, transiger, parfois et parfois ne pas transiger. Mais je pense que ça, c'est assez OK parce que regardez, vous avez tranché, hein. Vous savez faire ce choix qui vous est nécessaire. J'espère que ça vous est clair. Je vous invite à me laisser un petit commentaire si vous sentez que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas du tout, si vous dites « j'arrive pas trop à voir ». Eh bien écoutez, si vous osez me commenter cela, il se peut que je tire une carte pour vous donner ce message complémentaire pour éclairer ce que vous auriez besoin d'éclairer. Voilà, je sens que ça s'y invite, je ne le fais jamais. Je ne le fais jamais, mais pour vous, amis scorpions, pour ce tirage, je le fais. Voilà, je vous souhaite une très belle saison en Lion. Belle fin de journée, portez-vous bien et prenez soin de vous.